International et compagnie, bonjour. Non, c'est son associé. Monsieur Diego Molina est occupé pour le moment. Il est en meeting. Oui, j'ai fait message. International et compagnie, bonjour. Non, c'est son associé. Monsieur Molina a dû quitter pour Singapour à l'instant. Oui, je lui fais le message. International et compagnie, bonjour. Non, c'est son associé. Monsieur Diego Molina a dû quitter pour sauver la veuve et l'orphelin. Oui, je fais le message. Madame la Présidente, pensez-vous réellement qu'on peut encore se fier au garçon de nos jours? C'est n'importe quoi! Je suis sûr qu'il y a de bonnes raisons, Michael. Puis là, en attendant Diego, on a l'air de quoi? Hein? On a l'air de quoi? Ben, calme-toi, Michael, on a juste l'air d'une... une équipe qui pratique pas. Ouais, pis à cause de qui? Yeah, je suis sûr qu'il va finir par arriver. Il a peut-être eu un problème à son travail, je sais pas, moi. À son usine aussi, il gagne des clous. Je t'ai dit qu'il est superviseur de machinerie, je te l'ai déjà dit. Je parle de sa nouvelle manie. Comme pendant le match, le jour, ça va être un passionné, ce qu'on faisait, hein, c'est hallucinant. C'est vrai qu'il est vraiment fatigué ces temps-ci. Moi aussi, je suis fatigué, Diego. Je suis fatigué d'attendre après mon coach qui se pointe même pas aux entraînements. Je suis fatigué de perdre mes masques parce que je pratique pas. Puis pourquoi est-ce que je pratique pas? Parce que le coach, il est pas là. Ok, arrête! Hein, je suis d'accord avec Diego. Là, son père va finir par arriver, il va nous expliquer ce qui se passe. Là, calme-toi, Michael. Il a rien à expliquer, regarde, on est tous là, on fait rien. Puis après, vous demandez pourquoi on perd deux matchs de suite. Ok, t'as aucune idée où est-ce qu'on pourrait trouver ton père? Hey, je vais essayer de le trouver. Est-ce que Sport et Doc aurait fait ça? J'ai dit que j'allais le trouver! Où est-ce que t'étais? Hey, ça fait une heure que t'es supposé t'arriver! Perdona, monsieur. Je suis désolé. Comment t'as fait pour nous oublier? Moi, je t'ai appelé, j'étais super inquiet. On a eu un problème à l'usine. Sarto, mon collègue, s'est blessé au bras. Il y a eu l'ambulance et j'ai dû le remplacer. Est-ce que c'est grave? Non, non, c'est pas grave, mais c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Mais je vais aller voir les autres joueurs pour leur expliquer et ils sont en vestiaire. Papa, as-tu vu l'heure? Qu'est-ce que tu penses? Ils sont déjà partis. Il est si tard que ça. Papa, t'es toujours pris par ton maudit travail. Hey, Diego. Tu remplaces le premier gars qui se blesse, là, ça pue de bon sang. Laisse-moi trouver une solution, hein. C'est moi le coach? C'est à moi de me débrouiller, ça va? Mais d'abord, promets-moi que ça n'arrivera plus jamais. Eh, on verra, hein? Là, il faut que j'appelle tout le monde pour annuler la pratique de demain. Quoi? C'est mon patron. Il me l'a demandé. Papa, dis-nous-le si tu veux plus nous coacher. J'ai jamais vu ça! C'est pas ma faute, Diego. Ça va? Ça va, là? Tu vas-tu changer d'air? Je suis pas capable, ça me suis trop pompé. Regarde-le, moi aussi, ça me fait suer autant que toi, ce qui arrive, mais ça sert à rien de s'énerver. Pourquoi, là, on profiterait pas de l'été? Hein? On peut végier autant qu'on veut. On peut faire du canot quand on veut. T'as pas l'habitude d'être monsieur cool, toi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je pratique à penser positif. J'ai lu ça dans un magazine de sport. Depuis quand tu sais lire? Non, c'est sérieux. Tous les athlètes de haut niveau ont un truc pour gagner quand ils pensent qu'ils vont perdre puis tout va mal. S'ils se défoulent sur le ballon, c'est sûr qu'ils vont perdre. À la place, ils font de la visualisation positive. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça marche partout, pas juste dans les sports. Tu lis vraiment trop, Sam, c'est pas bon pour toi. Non, écoute, écoute. Le but, là, c'est de penser à quelque chose de joyeux, se le rentrer bien fort dans la tête. Après ça, ça libère des affaires chimiques dans le cerveau puis ça l'aide à rester focusé. Ok, regarde, essaye avec moi. Je suis pas capable, je pense juste à Manuel qui est pas là, ça m'énerve. Regarde, moi, je pense à la rivière, aux courses de canot qu'on pourrait faire. Hein? Full plaisir, là. Focus. Moi, là, je suis super calme. Tu vas-tu te mettre à boire des tisanes avec ça? Non, mais par exemple, c'est vrai qu'on pourrait aller faire du canot cette semaine. Hein, avec mon frère qui travaille chez Canal Sport, là, on peut avoir des passes de location gratuites. Ça te tente-tu? Peut-être. Et tu vois, là, quand tu penses à des affaires positives, tu changes d'air. Hey, Dali, toi, là,
Ça tenterait-tu d'aller faire du canot jeudi? On est en train d'organiser ça, mais puis moi. Ouais, peut-être. Ouais. J'ai pas dit que j'y allais, hein. J'essaie de trouver des idées pour faire défâcher Mick. Pas l'air de marcher fort fort? Non. Bon. Fait que. Est-ce que je parle à mon frère pour louer les canots? Jeudi, ce serait-tu correct? Est-ce que j'invite Théo à venir avec nous ou. Ken? Tu as avalé ton carnet de travail ou non? Ben oui, hein, c'est ça. C'est des problèmes avec les pics. Avec Manuel, plus. Pas vrai? Bon, ben je vais y aller, hein. Rendu qu'il est allergique à moi maintenant? Je pensais que c'était fini, vos petites chicanes. Ah, pas là, non. En fait, faisant pas le chou qui sent super mal. Mais ça serait juste normal après ce qu'il fait. Non, mais me laisser par terre quand j'avais quasiment la cheville foulée. C'est sans compter toutes les affaires poches qu'il y a sur l'équipe de filles. Est-ce qu'il t'en a parlé? Non. Ben, regarde, vous vous en parlerez jeudi. À se faire. J'ai jamais vraiment aimé ça, moi, le canot, finalement. Béa, t'aurais pas vu traîner une coupe de gars de l'épique? Mon sauveur. Les gars, t'étais où? Je t'ai cherché partout. C'est pas ce qui nous arrive, hein? Je trouve qu'on arrive pas mal déjà. Trop des affaires aujourd'hui. Grosse catastrophe. Une bombe nucléaire à côté de ça, c'est rien. T'as entendu parler de la pratique annulée? Le party de vendredi, Diego. Il faut s'y mettre là, tout de suite, immédiatement. Le comité des décorations de la salle de danse vient de lâcher. C'est à nous autres de s'en occuper. Reviens, j'ai réservé la salle de théâtre. On s'occupait pas déjà juste des boissons, nous autres? Oui, c'est ce qu'on était supposé faire. Mais là, ils nous demandent de faire les deux. On a juste 3 jours pour faire ça. Heureusement que t'es là pour m'aider, hein? Ben c'est ça, là, je pense pas que... La décoration, Diego, c'est quelque chose de super important pour qu'un party soit réussi. Puis, comme c'est un party de vacances, j'ai pensé vacances, galère, Clumet. C'est pas génial, ça? On va décorer la salle en plage du sud. Puis on va mettre des colliers avec des fausses fleurs pour se mettre autour du cou. Faudrait penser aussi à des faux palmiers en plastique ou en carton. OK, mais je peux vraiment pas. Je suis désolée, j'ai pas le temps. Ça, c'est vraiment drôle. Tu peux pas m'aider. Tu fais partie de mon comité. T'as pas le choix. Oh, Dali! C'est pas ce qui nous arrive, hein? T'aurais pas un petit peu de monnaie? Ouais. OK. Merci. Grosse, grosse catastrophe. Une chance que Diego est là pour me sauver la vie. Ben oui. T'as la chance d'avoir de l'aide de Diego. Il est gentil, lui. Pas comme Michael. Oh, tu l'aurais pas vu, lui, par hasard? Oui, ben je l'ai croisé dans le corridor du gym tantôt, mais ça fait un petit bout de temps. Ouais. Hey, c'est-tu à cause de votre chicane qui est bête comme ça, ou... Michael a pas besoin de moi pour avoir l'air bête. Ben, pas sûr de ça, moi. Hey, on s'entend-tu que si tu faisais un petit effort pour te réconcilier avec lui, ça serait pas mal mieux pour tout le monde? Tu penses? Ouais. Bon, regarde, Diego, nous autres, on a du travail à faire. Sérieux, je peux pas t'aider. Mm-hmm. OK, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai plein de problèmes à régler. Bye. Diego! Allez. Non. Encore une fois, je suis désolé, hein, mais je pouvais pas faire autrement. Non, on comprend ça, coach. Ce que je disais, là, c'est que je suis sûr qu'on peut arranger les erreurs de pratique. Hein. Je vais juste attendre avant d'en parler avec tout le monde. Oui, si on déplace la pratique de demain... Et qu'on est capable de récupérer celle d'aujourd'hui? Je suis sûr qu'on va pouvoir s'arranger. Ah oui, c'est sûr. Et pourquoi pas samedi? Oui, samedi, c'est bon. Midi? Ça, samedi. C'est parce que samedi, on a un match à 2 heures. Ouais. On va être beaucoup trop brûlés si on pratique juste avant. Non, faudrait faire ça plus tôt. Ah, pas possible. Moi, j'ai fini de travailler à 11h30. Essayons de voir plutôt jeudi? Ouais, jeudi, on peut-tu faire ça le matin? Parce que moi, j'ai réservé des canots chez Canal Sport pour l'après-midi. Ah. J'ai pas dit que j'y allais, moi, Sam. Je sais, mais j'ai parlé à mon frère, puis c'est le seul moment disponible. OK, ben tu fais ce que tu veux. Moi, Manuel, c'est correct pour jeudi. Mais je fais quoi, moi, avec les canots? Tu fais ce que tu veux? C'est quoi le plus important pour toi, le soccer ou le canot? Puis c'est à moi que tu dis ça. Je veux juste savoir si j'annule ma réservation ou pas. Oui, ça va, ça va. Il y en a pas de problème, hein? On pourrait peut-être pratiquer en fin de journée. Ça vous laisse le temps de canoter. Mais ça dépend si mon patron ne me rajoute pas des heures supplémentaires. Ah, hein. Tu m'avais dit que ça se pouvait. Je vais m'arranger. Ningún problème. Bon, ben, vous voyez, mon père a tout arrangé. Ouais, mais ça nous fait quand même juste une pratique avant le prochain match. Avec Reda, les filles ont des horaires beaucoup plus réguliers.
pas. Mais nous, notre coach, c'est mon père. C'est OK, laissez-moi regarder ça moi-même. Hein? Je vais vous enregistrer quelque chose, ne vous inquiétez pas. Je vais réfléchir à une solution et je vous la communiquerai tout à l'heure. C'est bon? Bon, ben, salut, coach. Salut. J'ai de faire un commentaire sur Reddit dans Manuel. OK, qu'est-ce que t'as, toi? Pour qui tu te prends? Pour qui je me prends? Pour ton capitaine, hein? T'en prends pas d'être plus cool, on dirait que ça fait trois jours que t'es fâché. Fâché contre Manuel, fâché contre Dali. Qu'est-ce que Dali a à voir là-dedans? Qu'est-ce que Dali a à voir là-dedans? Tout, OK? Moi, je tenais d'être prendre vous deux. Puis à cause de toi, j'ai été obligé de me trouver quelqu'un d'autre pour le canot. Ça va pas être trop compliqué, hein? Okay, j'étais pas supposé te dire ça, mais là, tu me laisses vraiment pas le choix. Choix de quoi? J'ai parlé à Dali tantôt, OK? Puis elle se sent super mal. Elle aimerait ça se rapprocher de toi. Puis elle pense que si tu viens en canot avec nous jeudi, ça va vouloir dire que tu tiens encore à elle. Puis elle est même prête à s'excuser pour l'autre jour. Pour vrai? Ouais. Mais là, ce que j'y avais promis de pas te le dire aussi. Qu'est-ce que je dis à Dali? C'est lui qui réserve son jeudi. On va en canot. Bon. Salut. Oh, vive la visualisation positive. Tu peux t'asseoir, là. Mon Dieu, ça a l'air sérieux, ton affaire, hein? Je veux savoir pourquoi tu m'as fait venir ici. Si c'est pour me voler des stratégies de soccer, je t'avertis, je ne parlerai pas même sous torture. Ah. Ouais. Non, c'est ça, je voulais juste savoir si y a quelqu'un qui t'avait approché pour... Pour? Pour te faire une plainte ou une proposition. Dans quel genre? Dans le genre de Michael ou la Ligue. T'as pas reçu un appel de la Ligue? Qu'est-ce que la Ligue pourrait bien avoir à me dire? Toi, là, qu'est-ce que tu ferais si on était dans un pays en guerre puis qu'il y avait un putsch? Putsch? Ouais. C'est quoi un putsch? C'est quand le gouvernement se fait renvoyer de force par des soldats, là. T'sais, on voit ça dans les films. Oui, ça va, Diego. Je sais ce que c'est un putsch. Mais si je me trompe pas, on est loin d'une guerre civile à Valmont. Non, je sais, mais admettons là, qu'on est dans un pays en guerre. Tu ferais quoi, toi? Tu resterais fidèle à ton chef ou tu irais avec le méchant? Ça va si mal que ça avec les pics. Est-ce que tu resterais fidèle à ton chef ou tu irais avec le méchant? Je pense que je serais fidèle, mais dis-moi ce qui se passe. Non, y a rien. Je voulais juste savoir. C'est go. Tu peux me le dire. C'est quoi, là? Est-ce que tu voudrais que j'aille parler à ton père? Non, tu peux pas y parler en ce moment. Il est très, très occupé. Hey, on n'est pas en guerre, ton père et moi, là. Je peux l'aider si ça va mal. Je pense que Michael veut faire renvoyer mon père. Tu sais, c'est pas de sa faute à lui, là, si son boss il met des horaires de débile pis qu'il est fatigué. Tu sais, je sais plus quoi faire, moi. Merde. Je veux pas que tu t'en fasses avec ça. Je vais aller voir ton père, on va trouver une solution ensemble, c'est tout. OK, mais je vais avec toi, okay? Non. Laisse-moi faire. Je m'en occupe. OK? C'est bon que t'aies dit oui pour le canot. Non, parce que si tu te réconcilies avec Dali, ça va être meilleur pour ton jeu. De quoi meilleur pour mon jeu? Oui, j'ai lu ça dans la revue de sport. Il paraît que les athlètes performent mieux quand ils sont amoureux. Oui. OK! Fait qu'en fait, tu veux que je me réconcilie avec Dali pour jouer mieux. Fait que tu veux rendre service à l'épée. C'est niaiseux, ton affaire. Mais non, c'est pas des niaiseries, c'est chimique. Mais c'est prouvé scientifiquement. T'as pas dû réussir ton cours de science. Ben oui. Hein? C'est votre affaire, les gars? Oh, Dali! Est-ce que je t'ai dit ça, moi, que Michael aimerait ça que tu viennes jeudi en canot avec nous? Hein, Michael? Vrai, ça? Ouais, ben surtout, quand c'est même... Non, c'est Michael qui a décidé, tout seul qui aime ça, qu'on fasse ça ensemble. Ah, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, ben oui, c'est ça, parce que Samuel, il a lu quelque chose dans une revue de sport, puis il m'a fait comprendre que la chicane, c'est pas bon pour le cerveau. Non. Pas bon. Ça fait comme des affaires chimiques dans la tête, là, puis ça s'en rend poche. Ouais. T'as pas dû passer ton cours de science, toi? Oh, je pense que vous écoutez trop de films d'espionnage ces temps-ci. Non, on espionne pas.
Mais non, vous êtes en train de faire des échauffements? Non plus. C'est quoi? Allez me chercher les autres joueurs. Je vais appeler ceux qui sont déjà partis. Hein? Rendez-vous au vestiaire dans 30 minutes. Ça va? Ciao. Ça va aussi mal que moi? Là, je suis tout mélangé. On dirait que tout le monde a compris ce qu'il fallait faire pour régler leurs problèmes, sauf moi. C'est vrai que c'est plate d'être tout seul quand les autres te laissent tomber. Ça avance-tu un peu ton affaire? Ou... Faut que je découpe chaque petite fleur. Et il m'en faut 80 fleurs pour chaque collier. Et des colliers, il m'en faut 50. 50 multiplié par 80, ça fait combien, ça? Sais-tu? Pourquoi tu te compliques la vie comme ça, là? C'est peut-être compliqué, mais ça va vraiment être beau. Ben, je pourrais vraiment pas t'aider d'ici au party. Même pas un petit peu? Même pas. J'ai vraiment pas le temps, là. Excuse-moi. Bye. Ouch! Ça va? Et c'est quoi, ça? Oh, ça fait pas trop mal? Ah, ça fait super mal. Excuse. C'est correct, là. Ça va. Ça? Oui. Ça? Oui. Oh, passe-moi ça, là. Comment ça marche? Tu mets une fleur bleue, ensuite une jaune, ensuite une rouge ou une fuchsia. Ah, mais t'es super bon. Oui. Puis... après les colliers, on va pouvoir passer au problème des faux palmiers. C'est gros comme un palmier. On va avoir besoin de combien de cartons pour faire ça? Je sais pas. Ton doigt te fait plus mal. Oh! Oui, il me fait super mal. J'ai la main toute engourdie. Bon, tout le monde te cherche pour une réunion d'équipe. Quoi? Oh non! Domaraka, domaraka! Ok, gars, j'abandonne. J'y arriverai jamais. Pourquoi tu te lances toujours dans des affaires compliquées comme ça? Sauve-moi, Nelly. Sauve-moi. Bien. Béa, je voudrais t'aider, mais là, j'ai une grosse journée, moi aussi. Je m'en vais chez nous. Et c'est pour ça que j'ai décidé de céder ma place de coach à Reda. Hey, ça, c'est vraiment cool. Mais là, je veux dire... Ça va, ça va. Tu as le droit d'être content. Je sais bien que mes horaires de travail ne vous ont pas servi ces derniers temps. Hein? Avec Reda, vous allez avoir des pratiques de façon plus régulière. C'est vrai que tu vas laisser tomber l'équipe des filles. Hein? Non, j'ai pas laissé tomber personne. J'ai demandé l'autorisation à la Ligue de coacher les deux équipes. Ça pose aucun problème. Et c'est pas exclu que je revienne de temps en temps, hein? Reda aura peut-être besoin d'un assistant ou bien de se faire remplacer quelquefois, hein? Bon, est-ce qu'il y a des questions? Super, on se voit demain sur le terrain à 2h, sans faute. Salut, coach. Tu vas voir. Quand je lui ai parlé de ton problème, ma mère, elle s'est souvenue du fameux beach party qu'elle avait fait je sais plus trop quand elle était jeune. Puis, elle a trouvé ça dans notre sous-sol. Hein? Il y a au moins 60 colliers là-dedans. Ça veut dire qu'on a juste ôté la poussière, puis ton problème est réglé. C'est quoi? T'es pas contente? C'est que... j'ai eu le temps de réfléchir et finalement, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est trop compliqué. Ah, puis entre toi puis moi, là, c'est que t'es une Club Med. Tu veux faire d'abord? Une navette spatiale. Oh, et c'est trop cool, la science-fiction. J'ai pensé faire un vaisseau spatial en carton puis peinturer un faux ciel avec des grosses planètes puis des petites étoiles avec des lumières de Noël. Puis j'ai aussi pensé qu'on... Non. Ouais.
C'est vrai que c'est pas si quétaine que ça, hein, le Club Med. T'as une chance, parce que je peux te dire que tu l'aurais fait toute seule, ton vaisseau du docteur Spock. Mais si tu me promets de plus changer d'idée, je vais t'aider demain, OK? Sur qui tu peux toujours compter? Sur ta meilleure amie Dali. T'es vraiment fine. Je le sais, ça. Mais c'est surtout que tu vas avoir plus de temps maintenant. Comment ça? Et j'ai entendu les gars fêter le retour de Reda, comme coach de l'épique. J'imagine que vous allez plus avoir d'équipe de filles. Quoi? Ah! C'est ça qui m'agaçait, ces deux-là. Je te le jure que j'ai vraiment tout fait pour que tu restes. Je sais bien, Diego. Je sais bien. C'est pas de ta faute, hijo mio. C'est moi qui ai demandé à Reda de revenir. C'était ma décision. C'est vrai, ça? C'est clair que si. Mouah. Mais tu sais, pas... Même si j'ai trouvé ça dur au début, là, j'ai fini par aimer ça que tu sois mon coach. T'as pas toujours été commode, mais... Ça nous faisait comme une activité à nous deux. Ah, mais ça... Ça, c'est pas obligé de changer, hein? Il y a d'autres activités qu'on peut faire ensemble, juste nous deux, hein? Comme aller à la pêche, hein? Ouais, mais... On pourrait jouer à Ninja Quest sur l'ordi. Ouais... Ou bien faire la sieste. Avec tout le café que j'ai pris, je pourrais jamais dormir. J'ai un petit creux, moi. Ouais, moi aussi. Allez, Capion, je t'invite à manger ce que tu veux. Hein? Ce que je veux? Si. Hot dog? Ok, ok, hot dog, hot dog. Hey, Dali, est-ce que tu viens fêter notre nouveau coach avec nous? J'ai pas grand-chose à fêter, chauffe. Comment vous avez pu faire ça? Mais voyons, Dali, t'oses encore me parler, toi? Je pensais que tu voulais qu'on arrête ça, le chicane, mais non. Non. Tout ce temps-là, vous jouiez dans mon dos. En plus, c'était pour nous voler notre coach. OK, t'as rien compris, Dali. Et même toi, Samuel. Toi qui dis qu'il est mon bon ami, ben oui, hein. Un ami comme toi, super. Non. Reda va pas arrêter de coacher les filles. Il va coacher les deux, on va avoir le même coach. Mais c'est parce que Béa dit... OK, mais Dali, je... Béa. Béa, tu devrais savoir que quand dit quelque chose... C'est moyen, moyen, hein. Je sais, je l'oublie tout le temps. Ouais. Désolée. Bon, ben, tu viens-tu au resto avec nous? Ça dépend. C'est parce que je sais pas si je suis encore chicane avec Mickaël. Ah. Ah. C'est correct, Dali. Puis, ça va être le fun, le canot, je dis? Je suis tannée d'être en guerre avec toi, moi. Bon, on peut y aller parce que là, j'ai l'estomac qui hurle. Puis, si tu veux t'excuser, moi aussi, je suis prêt à m'excuser. À moins que tu veuilles attendre jeudi, là, le canot, la rivière, puis tout, ça va être plus romantique. Parce que j'ai jamais dit que j'allais m'excuser. Quoi? Ben, je vais vous attendre dehors, les îlots, OK? C'est... Mm-hmm. En tout cas, Dali, je m'excuse. Moi aussi. Un baiser.